le dépouillement de l'enquête. Nous allons reprendre l'enquête télévision. Lorsque l'on double-clique sur l'enquête télévision, nous avons normalement 478 réponses. Donc, vérifiez que vous avez bien 478 réponses, sinon peut-être que vous l'avez retéléchargé d'Amétis, que vous l'avez lancé, et si jamais il est noté 0, c'est que vous avez lancé un fichier qui était compressé. Et donc, du coup, ça se passe mal. Il faut donc, bien entendu, décompresser systématiquement les documents que vous téléchargez d'Amétis lorsqu'ils sont compressés, sinon ça ne marchera pas. En tout cas, pour pouvoir continuer, vous devez avoir un nombre de réponses avoisinant les 478. Si vous avez 480, vous aurez quelques écarts avec les diapositives suivantes. Mais en tout cas, si vous avez fait exactement la même chose que moi, eh bien, vous devez être à 478. Pour effectuer donc ce dépouillement automatique, c'est ce que l'on va faire juste avant de réaliser l'analyse. Donc en fait, c'est dans la partie analyse des résultats que l'on va pouvoir effectuer le travail. Nous avons ici une première option qui s'appelle tableau de bord automatique. On va cliquer dessus. Il me demande si l'on veut faire un dépouillement automatique ou d'autres choses. On va dans un premier temps regarder toutes les variables, donc on va faire un dépouillement automatique. Le dépouillement se réalise et normalement, nous devrions avoir de nombreuses réponses. Ici, l'écran est un peu bizarre puisque tout est à 0%. C'est qu'en fait, je ne suis pas sur l'échantillon total, mais je dois être positionné sur une strate. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, je vous rappelle que l'écran de travail est ici. Il génère donc un rapport avec des tableaux et des graphiques. Nous avons ici la liste des variables. En dessous, les vues, c'est-à-dire les différents rapports qui sont produits par le logiciel. Et en dessous, la strate sur laquelle on se trouve. Une strate, c'est un sous-ensemble des questionnaires que nous étudions. Donc là, effectivement, je vois qu'échantillon total n'est pas double-cliqué. Je suis sur la variable singularité avec 0 enregistrement. Donc j'ai dépouillé 0 questionnaire. Donc, quand on a ce genre de situation, on remonte bien sur échantillon total, on double-clique dessus et immédiatement, l'ensemble des 478 questionnaires sont dépouillés et analysés. Nous avons donc ici des graphiques qui correspondent à chacune des questions. Si nous revenons au début du questionnaire, eh bien, nous voyons que nous avons un échantillon total avec un nombre d'observations de 478 observations, donc 478 répondants.